Il peut être fier de lui, Anthony Rougier a eu 20 sur 20 au baccalauréat. Lycéen en terminale scientifique, ce jeune Normand a fait quasiment un sans faute aux examens. Le bachelier n'a pas eu 20 dans toutes les matières, mais le relevé de notes peut tout de même en faire pâlir plus d'un. 20 en sciences et vie de la Terre, 20 en espagnol, 18 en histoire-géographie, 19 en philosophie et enfin 20 en latin et 20 en musique, deux options qui lui ont permis d'obtenir cette moyenne générale. Un bulletin qui réjouit évidemment le principal intéressé. Super content, super heureux parce que enfin, je ne m'y attendais pas trop non plus, je pensais avoir un peu moins, quand même pas 20 quoi, parce que 20 c'est inespéré, c'était... Quelque chose que j'aurais jamais pensé avoir quand même, même si j'ai travaillé. Les parents aussi apprécient la nouvelle. On s'attendait plus ou moins à ce qu'il ait des résultats excellents parce qu'il a toujours été excellent dans sa scolarité. Mais là, franchement, c'était le top du top. Élève discret, complet, selon l'équipe enseignante, Anthony est surtout un lycéen issu d'une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Et cela fait la fierté de son lycée. J'espère que Anthony nous aidera à conforter ou tout du moins à inverser une image qui n'est pas toujours positive du fait justement de l'appartenance à la ZEP. L'avenir pour Anthony va se jouer à Paris désormais. En septembre, il intégrera une classe préparatoire scientifique au prestigieux lycée Henri IV